Oh là, survivant! Comment ça va? Bah écoutez, les loulous, on se retrouve! Les loulous, ouais, j'ai tenté des nouveaux trucs. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur Deadside. Alors, c'est un peu exceptionnel. C'est Fred qui m'a invité à me faire découvrir Deadside. Pour ceux qui ne connaissent pas Fred le Furieux, c'est un gros malade qui fait des vidéos sur tout ce qui est jeu post-apo, on va dire. Mais il fait un peu de tout aussi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et bien entendu. Dans le titre de la vidéo, vous aurez son nom. N'hésitez pas à aller le voir, lui faire un petit like et un petit commentaire. Enfin bref, faites-lui plaisir, donnez-lui de la force. Et ben écoutez, on y va? On y va pour le petit Deadside en compagnie de Fred. C'est parti! La torche, le maître des terres, désolé, t'en pèse. Il brille toujours bien armé, des heures de gameplay, des moments gravés. Le meilleur des survivants, rien ne peut arrêter. On va lancer le lobby. Allez, vas-y, dis-moi tout. Alors enlève privé et avec mot de passe, ça sert à rien. Privé avec mot de passe, c'est enlevé. On va jouer sur celui où il y a le plus de monde. Ouais, c'est pas violent, c'est le Official Europe 200. Officiel Europe 200. Alors, attends, du coup, j'ai enlevé les 3 PP, je pense aussi, à mon avis. Ouais, tu peux, ouais. Enfin, moi je l'ai laissé, hein, mais il me le trouve parce que j'y ai joué il y a quelques temps. Tu peux Officiel. classer en nombre de joueurs, hein. Tu cliques sur joueur en haut, il y a 11 joueurs. 11 joueurs. Ok, Europe 200, je l'ai. Parfait. Eh ben on rejoint, allons-y, on va créer un petit perso, j'espère. Allez, en tout cas, ah oui, ok, tu as la création du personnage complet. Ouais, mais par contre, la création, t'as 8 têtes. Hein. Ouais, je vois ça. C'est tout, hein. Pour le moment, ils n'ont pas été chercher bien loin, quoi. Je vais prendre un chauve. Allez, ça me ressemble Ouais, bien. moi je vais prendre comme d'hab. Allez. Donc on va spawn aléatoirement. Ok. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mourir tout de suite là. Il faut qu'on attende un petit peu avant de pouvoir mourir et après on pourra respawn dans la même ville. Ok, d'accord. Donc sauf si on n'est pas très loin l'un de l'autre, on se rejoint, mais. Oh! Oh, ah, ça y est. Alors. Ah ok, alors attends, parce que moi les touches du coup elles sont complètement... Vas-y, fais tes touches. Moi, faut que je regarde où je suis. Vas-y, vas-y, tranquillou, je te laisse avancer. Eh ben, je suis juste à côté du trader du centre. Alors, il y a deux traders. Quand tu regarderas ta carte, c'est les zones enfin, vertes, vertes fluo, là. Ok. Et dans ce trader, tu as une armoire où tu peux stocker safe du matériel. Ok, Et les d'accord. traders, il y a deux marchands, il y en a un qui vend de la bouffe et un qui vend des armes. Et voilà, donc après toi tu collectes des objets, tu vas. Comme chez le trader, hein, pareil. Ok, ouais, comme sur un serveur C'est ça, ou c'est sur ça. Tu Daze, vas, t'as un voilà, trader, tu quoi. collectes du matos, tu vas le vendre, des armes tu les vends, elles valent cher si elles sont en bon état. Ok. Puis voilà quoi. Donc on va déjà faire dans le Inventaire. simple. Hop, tac, tac, tac. Tape pour l'inventaire. Ok, pour Voilà. courir, parfait. Ok, ça roule. Alors si tu veux, toi tu vas te taper le petit. Oh mais moi aussi les salauds ils m'ont mis ça, ils m'ont mis le Le tuto en haut à tutoriel, ouais, droite. j'ai vu. I pour le passé. T'appuies ouais I ou O. Non c'est O moi. Ok, moi c'est I. Et par Ah non contre, c'est I. la carte, tu m'as dit. La carte bah je sais plus. Moi je l'ai mis sur un M. clic souris mais ça peut Ok. être M ouais, c'est Ouais, possible parfait. ouais. D'accord. Ah oui, donc t'as ta position et tout. Ok, je suis Alors pas dis-moi où loin. t'es. Je suis pas loin de Bokni. Boschki, on va dire. Boschki, allez. T'es dans quelle case? La case numéro K5. JK. Putain, c'est. K5. Ouais, K5. Ok. Moi je suis en I6. I6. Alors, K5. qu'est-ce qu'on fait? C'est du deadside ou c'est touché coulé? Si on reste, C'est du touché coulé en fait, c'est c'est ça? ça. Pour le moment, c'est ça. Ouais. K5 Écoute, touché! Putain, bien joué. on peut se rejoindre à Kamenka. Allez, Kamenka, c'est parti. On peut mettre un marqueur si je dis pas de conneries, mais je sais plus comment on fait. J'ai Je vais voir, oublié. attends. Si c'est majuscule et. Bah, c'est comme sur Arma, c'est majuscule clic gauche. Ok, parfait, c'est marqué. Et ben on met un Bon, marqueur c'est sur Kamenka et carré on se tout retrouve là-bas. ça. C'est carré tout ça. Ouais. Bah c'est un petit mélange Arma Daisy quoi. Ouais. Ben, là, les... C'est du Daisy en plus fun quoi. Tu sais, tu galères moins. Tu galères beaucoup moins. Ok, Ouais d'accord. ouais 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 ouais. Ah, je connais pas du Ouais tout, moi. C'est vraiment la première fois. c'est vraiment plus pour s'amuser. Là tu peux arriver, tu sais, tu fais une game en. Si tu sais un tout petit peu jouer, mais vraiment un tout petit peu, en 20 minutes t'as du matériel pour faire une game, tranquille. Ah ouais, bien. Ok. Ouais. Alors il n'y a pas de zombies, mais il y a des PNJ. Ok. Voilà, donc il y a des PNJ que tu peux croiser partout, dans les villages, en patrouille, de ci, de là. D'accord, tu peux mettre des coups de poing et tout ça ou pas du tout? Tu peux mettre des coups de poing, tu peux mettre des coups de couteau. Moi au début, je me bats beaucoup au couteau. Tiens, regarde ton inventaire. Ouais. Est-ce que tu as un talkie-walkie et une gourde? Non, pas du tout. Ah, ouais, c'est parce que j'avais. Ça, c'est un truc qui est un peu cheaté. Moi, je l'avais pris, c'est le pack, le Ah supporter mais pack. oui, je l'ai vu, le supporter Ouais. pack, Et putain, le j'aurais dû. supporter pack, ils te font spawn avec une gourde. Alors, la gourde, c'est important pour avoir la flotte. Hein. Et puis, le talkie-walkie. Ah, Heureusement que bah t'es avec moi, sinon, Fred. Heureusement que t'es avec sinon, il moi. faut que tu trouves des bouteilles en plastoc. Et puis, tu sais, tu vas dans les fontaines. Hein. D'accord.
Mais le talkie-walkie, il a un intérêt, c'est qu'en fait, c'est un détecteur de PNJ. Non, excellent. C'est-à-dire que quand t'es dans un périmètre de 100 mètres d'une patrouille de PNJ, il crépite. Tu sais, il fait comme si tu prenais leur canal, quoi. Donc d'accord. Tu sais qu'il y a des PNJ. D'accord. Ah, bah, c'est pas mal. Ça marche que pour les PNJ, hein, pas pour les vrais joueurs. Oui, donc en fait, t'as un mélange de PNJ et de... Ouais. De, tu vois, là, par exemple, là, j'ai un signal sonore. Ça veut dire que pas loin de moi, il y a des PNJ. Donc je vais me barrer, je vais pas chercher les embrouilles. Non, attends, ou alors je me fais tuer et je respawn sur toi, c'est possible aussi. Non, bah attends, après on est pas loin, hein, je pense. Oh bah attends, n'en bouge pas, ils sont sur la route. Parce qu'après tu peux choisir ton spawn ou pas du tout? Oui, pour le moment. Pour le moment, parce qu'il va y avoir une grosse mage très bientôt. D'accord. Qui fait que tu pourras plus choisir. Pourquoi je peux pas prendre mon couteau, moi? Ah oui, ok, le couteau, il est en deux. Okay. Moi j'arrive plus à mettre mon couteau où je veux. Ouais, le jeu est en alpha là, c'est ça? Ouais, il y a des mises à jour régulières. Et là, il va y avoir une énorme mise à jour qui va faire que le jeu va beaucoup plus ressembler à Rust. Ok, d'accord. Sur le base building, sur la défense de base, on verra ça au fur et à mesure, je t'en parlerai vite fait. Mais ça y est, j'ai la patrouille, je vais me faire tuer. Oh, venez les clodos. Alors, dans les PNJ, il y a trois sortes. Il y a les brigands, eux, généralement, ils ont de l'armement basique. Ok. Il y a les milis. Et puis il y a les brigands des villes qui sont un peu mieux armés. Et tu peux les loot aussi, c'est ça? Ouais, bien sûr. Hein. Bon, ça y est, je suis mort. C'est rapide, beau gars, c'est rapide. Ouais. Alors, est-ce que je peux spawn vers toi, t'es où, toi? Alors, moi, là, je suis encore en K5, mais je suis au bord du K5. Je me rapproche vers J5. Ok, je spawn à Kamenka, dans Kamenka. Vas-y, comme ça, t'as le temps de loot un peu et tout. Putain, j'ai pas joué, ça fait un moment, je sais même plus comment remettre mon couteau dans mes... Ah mais oui, je suis con, moi j'ai essayé de mettre mon couteau dans ma barre rapide en bas, c'est pas non, comme ça. Non, ça marche pas, ouais, je l'ai mis... Non, faut le mettre à droite, ça, à la place ça. Du pistolet. Ouais. Exactement. Pourquoi je suis toujours à 1 km... Ah oui, d'accord. Okay. Je suis à 800 mètres, moi, de... Et bah moi je suis à 100. Oh, ok, alors... j'ai une patrouille de soldats. Ok, j'ai des soldats. Oh oui, bah cache-toi, parce que les soldats, ils ont de l'arme auto, et l'arme auto, c'est pas sympa. Ils te détectent de loin, ou... Ouais, et puis ils tirent pas trop mal. Merde. Les melee en début de game, tu peux pas. Ok, ils patrouillent sur la route, hein, donc... Ouais. Oh, des fois, tu sais, s'ils ont été attirés par des joueurs, c'est possible que t'en croises un peu en forêt ou dans les collines. Hein. Ok. Voilà, je suis en contre combat 2, à mon avis, ils m'ont pas vu. Et il y en a certains qui sont assez pointus, on va dire. Ok. Pour enlever ton marqueur, c'est pareil, hein. C'est majuscule clic gauche. Ouais, c'est comme sur Arma, comme t'as dit. Voilà. Sauf que par rapport à Arma, tu peux en mettre plein. Tu peux en mettre 5 avec des couleurs différentes. Ouais, ok, je me fais tuer dessus. Ok, bah écoute, si tu te fais tuer, tu retournes. Non, je suis loin. Ultra loin là, ah ouais. Je suis à au moins 200 mètres de, je pense. J'entends pas les tirs. Je t'entends pas, ils sont un peu loin les tirs. Hein. Je vais regarder s'il y a de la flotte déjà à Kamenka. Je pense qu'ils vont m'oublier un peu. À moins que je te les ramène. Ouais, je pense qu'ils vont m'oublier. Oh putain. Ils m'ont oublié. Plus de flotte. Ok, je suis dans le centre de Kamenka. Je saurais même pas te dire comment je suis habillé parce que je me vois pas. si, tu peux. Clic souris. Clic molette. C'est un 3 PP. PP. Non, celui-là, normalement, c'est pas un... Si, c'en est un. Si, ouais, c'en est un. Ah ouais, d'accord. Ok, ça tire à ma droite. Bon, moi, j'ai via le chat parce que le chat, ça me... mais attends, t'es sûr qu'on est sur le même? Parce que moi, c'est pas un 3 PP. Hein. Bah, tu m'as dit Europe 200, c'est ça? je sais pas. Moi, je suis en plein milieu de Kamensk, là. Attends, je vais arriver à 200 mètres. Dans 200 mètres, on a la vérité. De toute façon, tu sais quoi, je me mets au carrefour de Kamensk, là. Mais ouais, non, moi, c'est pas un... C'est pas un 3 PP, toi? Ah, non. Pas du tout. Alors, attends, bouge pas. Là, j'arrive à Kamenka, c'est ça? Ouais, c'est ça. Kamenka, il y a une route qui monte et un petit virage. J'arrive par la forêt. T'es plutôt sur le haut ou sur le bas? Là j'arrive par le haut, la route qui remonte, limite. Bah écoute, je suis sur la route et je saute à côté d'un transfo électrique. Ok, alors attends, on va rigoler, la bonne blague si je... Ah ouais, peut-être, non mais peut-être que c'est moi, parce que je sais que ça me l'avait déjà fait une fois, ça... en fait quand j'avais lancé la partie, ça avait mis la dernière game où j'étais. Ah merde. Peut-être, hein. Mais moi là non, là, apparemment non. Parce que j'ai bien pris le serveur 11, quoi. Ah si, je te vois là, c'est toi en bleu? C'est moi. Ah, bon, on est bon. Bah moi j'ai pas la troisième personne. Allô? Alors attends, hey, j'ai invité dans l'équipe, t'appuieras sur F5. Vas-y. C'est fait. Voilà, bon bah on voit nos... Ah, c'est parfait ça. Voilà. Bon, avec le couteau, tu peux attaquer des brigands. Et en vrai, tu te retrouves beaucoup plus vite que sur Days, hein.
Ouais, c'est quand même plus rapide. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Je te montre les fontaines. Ouh, oui, bien, ok. Par contre, le truc qui est bien, c'est que la flotte, c'est aléatoire. Ok, il peut y en avoir. Là, il n'y a pas d'eau. Tiens, regarde, je te file ma gourde parce que si jamais je me fais tuer, j'en aurai une autre. Vas-y. Ok, je la récupère. Donc, pour prendre de l'eau, bah, tu mets ta gourde à la main et tu prends de la flotte, comme Days, okay. Pareil. On va looter un peu les baraques vite fait. Allez, vas-y. De toute façon. On peut se séparer. En haut, dans la baraque de gauche, tu verras, il y a de l'alcool. Ça sert à désinfecter les rags. Et les rags, en fait, plus ils sont désinfectés, plus ils soignent vite et bien. Ok, là j'ai une bouteille en plastique sur moi. Ah ouais, bah tu... ah bah tiens, donne-moi là. Tiens. Ah bah oui, mais il y a pas d'eau, mais c'est pas grave. Si, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Ouais. Oh, bah, ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une conserve là sur la table avec de l'alcool et une corde. Oh. La corde. Ça c'est le début d'une bonne fête. Ah oui. quand tu vas dans ton inventaire. Yes. En haut, t'as sol ou craft. Ouais. Tu vas dans les crafts et tu regardes ce que tu peux faire vite fait. Ah ouais, pas mal. Bah c'est ce qui manque un peu dans Days, moi je trouve. Days c'est vraiment très exclusif comme jeu, c'est le truc. Si tu sais pas faire les crafts, et bah tu te démerdes quoi. Là bon, il t'explique quoi, c'est un peu. Ouais, pour les médicaments et tout, je peux même faire des médics. Ok. Et bah si, prends la corde, ça te servira de faire un petit sac. La montre, on s'en fout, c'est pour vendre. Elle a pas d'intérêt pour le moment, à part faire. Ouais non, je crois que c'est juste pour la vente. Ouais, objet à vendre. Ouais, laisse-le, on s'en tape. Ok. Et c'est bon, carré. Hein. Ouais, c'est bien, c'est simple. Tu vois, c'est le truc que tu comprends vite. C'est vite, assez quoi. Simple, ouais, c'est ça. Les balles traversent pas le bois. Ok. Donc, tu peux, ça sert à rien de tirer direct. Il y a une fontaine en haut à droite. Là, je sais à peu près où sont les fontaines parce que c'est une denrée rare. Ok. T'as fait un peu tous les trucs. Ah non, j'ai fait que là. Ok. T'as les isolations, t'as le nombre de places aussi. Ok, d'accord, ouais, bien, c'est carré. Hein. Ouais, c'est carré, ouais. Ouais, ça, puis ça fonctionne bien, quoi. Démantèlement possible, c'est quoi ça? Ok, c'est un sac à dos. Ok, d'accord. Ah, t'as un sac à dos, nickel. Ouais. Je découvre 100% le jeu. Ouais. On devrait pas tarder à voir passer. Tiens, il y a une gourde magique. Et j'arrive. Bon, bah, faut juste qu'on trouve de l'eau, quoi. Coins, j'arrive. Ouais. Sauver les petits coins sympas. Je vais. Alors les rags, tu peux directement les faire sans outils. Hein. D'accord. Si circulaire, pareil, tu prends pas, c'est des trucs à vendre. Ça peut se démonter. Ouais, si tu veux, tu peux les démonter et tu récupères des composants élec. Ok, d'accord. Là, j'ai des balles, munitions. Ouais. J'ai des munitions. Ouais, bah écoute, prends des munes. Hein. Après, on n'a pas beaucoup de stockage. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Par contre, c'est vrai que mais ça rejoint un peu ce que les devs vont faire là sur la prochaine mage de Days. Ouais, il y a des réduire un maximum les. Ah, il y a de l'eau dans celui-là. L'inventaire. Ouais, ramasser avec une flasque. Ok. Eh ben vas-y, on va le faire. Utiliser faut que tu prennes une gourde. Ouais, voilà. Alors tu la mets où la gourde par contre? J'enlève le couteau. Tu la mets dans ta main. Mais c'est quoi ce bordel? Attends, moi j'ai un souci, le majeur. Comment tu fais pour le mettre dans ta main? C'est ça le truc. Mais attends, mais moi il y a des trucs que j'arrive plus à faire. J'arrive plus à mettre les endroits, enfin les objets dans les endroits que je veux. Attends. Comment je fais pour la mettre dans ma main? Alors les premières touches c'est 1, 2, 3, le 3 c'est la hache là, le 2 c'est ton couteau, donc après la barre d'outils ça commence à 4. Ouais mais moi il n'y a rien qui marche. D'accord. C'est chelou. Si moi ça a marché là. Essaye de mettre ta gourde en 10, l'avant-dernière case en bas. Okay. Et après t'appuies sur 0 et normalement tu dois pouvoir prendre de l'eau. Ok ouais, ça marche mais à partir de 10. Vas-y. Effectivement. Donc tu remplis. Ouais. Ah, c'est quand même une petite mécanique à prendre en main. Ouais. Okay. Et puis gaffe-toi bien, ta flotte elle est en bas à gauche. Hein. C'est la goutte d'eau, hein. On a l'impression que c'est le sang, mais en fait c'est la goutte d'eau. Toi. Ah ouais, ok. Après tu peux te gaver, tu vas pas vomir, hein, là c'est pas grave. Ah, c'est pas comme sur Days. Non, je crois que c'est 25 par gourde, il me semble. Donc au pire. Ouais, mais c'est bon, j'étais vachement haut. Hein. Je vais essayer de remplir là. Putain, mais. Ah ouais, mais non, c'est moi qui ai fait le con. C'est moi qui fais le con. Ouais, les touches 1, 2, 3, c'est ton arme, ton couteau et ton autre arme. Ok. Bon, je vais la remplir. Ils ont du mal à marcher. On va se barrer. Hein. Ok. Ah, mais ça va être le soir ou quoi? Non, c'est le matin là pourtant. Plein Est. Bah ouais. Ouais, c'est ça, c'est le matin. Alors attends, on est là. Alors, tiens, bah quand tu regardes la map, on va regarder ça vite fait. Vas-y. Tu vois, t'as les deux ronds verts à Sosnovka en bas et au-dessus de Gorky en haut. Ouais. C'est les traders, donc c'est des safe zones, ça craint rien. Ok. D'accord. Voilà. Et puis t'as les missions. Rouge. Ah oui, effectivement, donc, ok. Mission rouge. Voilà, donc les tirs 1, c'est des brigands, tu peux presque les faire au couteau. Et puis okay. Après, c'est comme sur Arma, plus ça monte, jusqu'à l'étoile en épique. Alors là, l'épique, il y a beaucoup de mili et puis ils sont sévères. D'accord. Et ça, c'est sur un serveur officiel en fait. Ouais, c'est sur Ophi, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux aller faire? On va se faire une petite mission alors? Si tu regardes en K6, il y a eu un largage hélico. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tout en haut, il y a un hélicoptère écrasé avec des snipers qui le gardent. Ok, bon, à côté de Maclock, voilà. Ça va éviter, ça. Et si tu regardes tout en bas à gauche, il y a un rond rouge avec 51.
En fait, c'est une base qui est en train de se faire raid. Ok, d'accord. Parce que pour le moment, et ça, ça va changer, qu'il n'y a pas de raid off. C'est-à-dire, si tu n'es pas connecté sur le serveur, tu ne peux pas te faire raid. Parce qu'en fait, pour te faire raid, il faut que tu te fasses tuer et tu as un pourcentage de chance de lâcher un token, c'est-à-dire une espèce de capsule rouge. D'accord. C'est un objet, hein. Tu peux le ramasser par terre. Quand tu le ramasses, si tu as tué un mec, tu as deux options. C'est soit tu le déclenches, soit tu le gardes, soit tu le détruis. Donc, des fois, par exemple, si tu te fais tuer et que tu reviens et que tu arrives à récupérer ton token, tu peux le détruire et comme ça, les mecs, tu les niques. Quoi. Ils peuvent pas raid ta base. D'accord. Mais si les mecs ils lancent le token, ça met un rond rouge, comme ça toute la map sait que bah qu'il y a une base sous raid, ils peuvent venir s'en mêler s'ils veulent. Mm-hmm. Et puis ils ont une heure. Ok, et voilà. Donc là le gars en fait il vient à peine de le faire, parce que c'était 50. Ouais c'est ça. Comme ça. Après des fois ce que tu fais pour détourner l'attention, quand t'as tué un mec, tu lances son token, comme ça le mec il rentre chez lui quoi. Oui oui, ok, t'as le temps de loot tranquille. Ok. Après, d'accord, putain c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est pas... Alors par contre ça va changer. Ouais. Parce que apparemment ils ont l'air d'avoir envie de faire en sorte que tu puisses avoir des raid-off. Ouais, comme sur Daid en fait, c'est ça. Mais moi j'aime bien ça parce que nous on est des cambrioleurs, alors on aime bien ça. Mais la communauté Deadside, elle tire la gueule parce que c'est confortable pour le moment parce que t'as pas de raid-off quoi. Eh oui. Tu sais, t'es pas en jeu, il t'arrive rien quoi. D'accord. Voilà. Bah où est-ce qu'on va ? On va faire une petite mission tranquille ? Vas-y, moi je te suis. Hein, c'est... Le problème c'est qu'il y a pas bien de mission là. On va aller à l'opposé, on va aller à Tchernilog. Allez, vas-y. Plein ouest. On verra bien. Alors, pour manger, donc t'as vu, t'as les boîtes de conserve, tu les manges comme ça, hein, t'as pas besoin d'avoir des outils. J'ai vu, ouais, pas besoin d'ouvrir. Ouais. J'ai vu ça, ouais. On peut aller à la chasse au canard, on peut aller à la chasse au chevreuil. Chasse au canard. Ouais, il y a des canards, tu peux chasser des canards. Ouais, mais ouais, non. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Excellent. Les canards, ils sont dans les zones où il y a des joncs. Ok. Et tu peux même trouver un petit tapot à canard, ça fait un bruit de canard. Excellent. Et normalement, quand tu fais ça, ils te répondent. C'est le délire. Ah, c'est excellent. C'est le délire. Tiens, attends, je vais te filer mon Toki. Tu le mets dans un endroit où il te sert à rien, dans la base. De toute façon, tu vas jamais le prendre avec ta main, celui-là. Mais d'accord. Si jamais il commence à crépiter, tu me le dis. Allez, ça va. Ça veut dire qu'il y aura des PNJ. Pas besoin dans un de l'allumer, rien du tout. Hein, non, tu le laisses comme ça. Tu le laisses comme ça. Ouais, voilà. On va faire cette petite baraquette vite fait. Ah, il y a un flacon là. Pour faire du rat. Ah non, c'est de l'huile, on s'en fout. Pour le moment, ça sert à rien. Et il y a des armes et tout, on est d'accord. Ah oui, mais j'ai une arme là. Ok. Ah ouais, prends-la. T'as une boussole ? IZH. Non, j'ai pas de boussole. Il y en a une ici, là, dans la cabane. Un IZH, c'est bien. Ouais, c'est du 380. Enfin, pardon. C'est du 12, non ? Ah non, c'est du. Je sais plus. Ah oui, non, je confonds avec l'IZH de Daisy. Ouais, non, pareil. C'est un 762 ou un truc comme ça, je crois. Et donc, pour viser, comment je fais ? Ok. Tu mets l'en joue et tu vises. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Hein. C'est rapido. Hein. Ah oui, c'est classique. Ouais. Oui. C'est pas le jeu de prise de tête, quoi. Ah oui, non, pas du tout même. mais c'est ce que j'aime bien. C'est moi, bien, ouais, c'est bien. Ouais, voilà, c'est cool. C'est. Tu t'amuses assez vite et puis je pense que bientôt ça sera intéressant d'aller sur des serveurs privés pour avoir un peu un encadrement parce qu'avec la grosse match qui va arriver, ça va être un peu le bordel. Ah ouais. Ouais, je le pense, ouais. Tu sais, avec le système des raids et tout, après, ça devient bien que ça soit un minimum géré, quoi, on va dire. Oui, c'est sûr. Là, on va dire que, ouais, du coup, tant que t'es pas connecté, t'as ta base, t'es tranquille. Ouais, quoi, là, pour le moment, tu joues en offi. Alors, pareil, hein, là, si tu veux faire un feu de camp, tu te mets à côté d'un buisson et tu coupes. Hein. Ok. C'est tout, hein. Il faut pas mille trucs. Hein. Par contre, faut un briquet, quoi. J'ai un briquet. Sinon, il faut craft. Je sais même plus si on peut craft des allumes-feu. Je me souviens plus. J'ai oublié. Et par exemple, attends, si je veux ranger l'arme, ok, je la range comme ça. Si je veux ouvrir la boîte, j'ai pas besoin d'ouvrir la boîte en fait. Non, la boîte, voilà, ça c'est les réflexes Daisy. Ok, d'accord. La boîte, tu la manges, c'est tout. Non, mais par exemple, la boîte de munitions. Pareil en fait. Ah ouais, il n'y a pas besoin de les dépacks ni rien. Non, c'est vraiment. Bah, tu sais, c'est un peu comme Daisy dans ses débuts, hein, en 0.12, 13, 14. Ouais, t'étais pas obligé c'était de. C'était ça, tu sais, c'était plus fun quoi. Enfin, c'était plus fun. Il y en a qui aiment bien le côté un peu réaliste de j'ouvre une boîte de mun et je charge mes trucs, mais bon. Alors, je sais pas, c'est quoi la touche pour recharger ? Je vais regarder après. C'est R hein, normalement. Vas-y, bah non, tu peux regarder. Bah, viens vers moi, il y a un petit point de vue qui est joli là. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais. Ça manque au niveau du. On voit que le moteur graphique quand même, on est au début. Hein. Ouais. Au début quand même, hein, parce que c'est pas mal, c'est clair. Mais. Alors, ça pourrait être mieux, ouais. Ouais, c'est ça. Capuche, rejoindre l'équipe, tir, viser, ok. Action principale, F. Recharger R, pourtant j'ai R, mais il veut pas. Ouais, mais peut-être que t'as pas les bonnes balles. Ok. Peut-être, hein. Ouais, possible. Là y'a rien. Le coin où on va, là-bas, Tchernilog, c'est bien un truc à PVP. Hein. Ah. Enfin, je vais mourir. Ah, ça faisait longtemps que je suis pas mort. Et sur l'antenne radio, là-haut, il y a une base mili. Petite. Okay. Une sorte de comico, quoi.
Bah, à chaque fois que je joue avec toi, on joue sur des jeux durs. Donc... Oh, bah ouais, là, ça va aller, je pense. Sur Intense, là... on s'est amusé 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, ça devrait le faire, normalement, là, une quinzaine de personnes. La map, elle est grande, hein, et elle va s'agrandir encore. Ah ouais, ok, ils vont agrandir la map encore. Ah oui, 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 là, ils l'agrandissent sans cesse, ouais. Eh, je vais commencer à m'intéresser à ce jeu, alors. Parce que, ouais, mais ça vaut la peine, vraiment, ouais. J'ai dit, en plus, il est qu'en alpha, donc ça promet. Dans la forêt, tu peux tomber sur des petits camps de survivants aussi, où il peut y avoir du matos. Ok. Là, il y a une petite maison, là, je vais la faire vite fait. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, j'aurai toujours les toilettes, si jamais. Ouais, il peut y avoir du loot. Ok, je récupère de l'alcool. Moi, j'ai une pince, mais je m'en fous pour le moment. La pince, elle sert à désamorcer si les mecs, ils mettent des mines chez toi pour te tuer. Ok, il ah. y a même les mines. Tiens, si tu veux faire du rags, là, tu... Ah oui, c'est vrai, les rags, de jog. C'est vrai. Vas-y, ouais. Tu cliques juste dessus, ça le fait. Par contre, faut bien penser à le ramasser après. Pense à un truc sur ce jeu, c'est ramasser. Ok. Parce que ça va pas direct dans ton inventaire. Au début, je me suis fait cravater un nombre de fois. Moi. Tu m'étonnes. Je vais enlever le marqueur. Hop. C'est bon, bah là, là, c'est soit on loot, soit on monte à la colline là-haut faire la bagarre. Bah, comme tu le sens, hein. Si il faudrait une arme, ce serait cool. Ouais, je pense qu'on va loot. Hein. Encore que je peux. Si c'est des brigands, je peux le faire au couteau. Hein. Ouais, mais c'est plus cool si t'entends les bruits de tir. les brigands, moi j'aime mieux les faire au couteau. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, 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 vraiment, ouais. Bah, tu sais, il y a un truc, c'est que, comme dans plein de jeux, les PNJ, si tu te colles à eux, en fait, ils peuvent pas tirer. En fait, ça leur bloque le tir, ils essayent de relever leur arme, et toi, tu leur mets des coups de couteau, tu les tues. Ok. Et ça marche pareil avec les joueurs. Mais non. Mais oui. Il n'y a pas encore le côté où tu peux mettre un coup de crosse pour faire décaler le joueur, quoi. Non, 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 non. Par contre, si t'as un couteau, tu peux lui mettre des coups de couteau aussi. Tiens, t'as encore une fontaine en bas, là, mais on n'a pas soif. Je pars sur la droite de la route. Si jamais là tu pourrais entendre du crépitement, hein, c'est possible, hein, parce qu'il passe souvent en patrouille ici. J'ai rien pour le moment. Alors moi, je vais me fabriquer un sac crafté, je crois. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un sac crafté. De camp, hein, je te le dis. J'ai plein d'alcool. Si tu veux qu'on fasse une fête, on peut faire de la fête. Nickel. Alors pour faire un sac crafté, t'en as un sac toi? Ouais, j'ai un sac. Moi, j'ai pas besoin de. Il faut 4 rags. Bah, je vais me faire un sac à dos. Il faut 4 rags et une corde. Si t'as besoin de rags, quoi, tu me dis, hein, je te fais du rags. Oh non. Bah, oh, de toute façon, les habits, c'est pas rare, hein, je veux dire. Ouais, franchement, c'est. Voilà, c'est un jeu pour s'amuser, quoi, on va dire. C'est pas mal, hein. Je pense que ça va être une bonne petite détente, tu sais, quand tu fais une overdose de days. Ouais, c'est clair. Bon, là, je suis parti. Non, mais en plus, tu peux faire de la grosse bagarre. Parce que si tu viens sur ce serveur le soir, ouais. Il est plein. Et même sur les missions tier 1, ça canarde, quoi. Ah ouais, ok. Carrément, donc, tu peux te faire. Après, pareil, hein, souvent, il y a gros déséquilibre de loot. Hein. Les mecs, ils sont surarmés. Toi, t'es un peu avec un 12 et puis tu te démerdes, hein, mais c'est la vie. Hein. Ok, d'accord. Et tout. Hein. Alors, les fontaines, elles ont pas toutes la même gueule. Hein. C'est pas tout un puits. Par exemple, là, à l'endroit où je suis, tu verras, il y a une flaque. C'est un espèce de petit tuyau rouge avec une buse. Ouais. Donc, voilà, faut juste s'habituer un peu. C'est pas carré-carré. La fontaine, elle a pas toujours le même skin, quoi. D'accord. Ok, ouais, bien, hein. ça change un peu, oui. C'est bien. Alors, dans chaque village, normalement, dans chaque village, il y a. 2 voire 3 fontaines. Ok. Mais elles peuvent être toutes à sec. Ça, c'est aléatoire. D'accord. Oh, c'est qui a tiré là? Ça tire sur moi. J'arrive. Ça tire sur moi ou ça tire sur toi? Non, ça tire sur toi. D'accord. J'arrive. T'es à 200 mètres de moi. Oh oui. J'arrive. Donc toi. Ouais, ça peut être des PNJ. Elle, tu vois, c'est le petit truc que je trouve. Ouais, c'est les PNJ. Ils sont devant la poste. Ok, j'arrive. Le bâtiment blanc. Ouais, je les ai vus. J'ai un scorpion au pire, mais je m'en fous. Vas-y, tire, fais-toi plaisir. Non, je vais les attaquer au couteau. Ah, ça y est, ça grésille. Ouais, bah c'est qu'ils sont pas loin. Tu veux qu'on le fasse au couteau? Non, garde une arme, toi. On sait jamais, si tu préfères. Ils sont derrière la poste, là-bas. Tu vois, posta, là, le bâtiment. Ouais. J'ai vu, alors, je pense que c'est un PNJ, parce que pour qu'il m'ait tiré dessus de si loin, ça peut être qu'un PNJ. Ah oui, attention. Oui, il est là. Mais what? Tu l'as tué? Non. Il est mort. Et comment on se fait le nombre de balles que j'y ai mis? Ah, ils sont solides un peu quand même. Il est amosine celui, non? C'est étonnant qu'il soit tout seul. Hein. Il est amosine et un gros sac, si ça t'intéresse. Eh ben, prends le gros sac, vas-y, sers-toi. Moi, j'ai un petit sac, ça va bien. Là. Non, j'ai amosine. Bon, il n'y a rien dans la poste, c'est la dèche. Ok, j'ai récupéré un casque vert. Pareil, n'hésite hein, pas. Ah oui, tu me diras si, je vais peut-être prendre son sac à lui, parce qu'il est un peu mieux que le mien. Non, alors attends, amosine pour le mettre dans mes mains. Ok, comme ça. Ok. Voilà, son sac, son pantalon, on va le déchirer en chiffon. Je crois que j'ai un souci de raccourci en fait. Ouais, c'est ça, j'ai un souci de raccourci. Ah ouais, faut gérer ça. Ok, d'accord. Pareil, moi j'ai piqué un scorpion.
Alors derrière la baraque, là-bas en face, il y avait une petite caisse en bois posée par terre. Des fois, il y a des caisses comme ça, c'est dans le jeu, hein. C'est faut pas Ok. chercher. Le score, parce qu'il est chargé. Ouais. D'origine, les armes, je crois qu'elles sont chargées. De toute Ok. façon, quand tu prends ton arme en bas à droite, tu vois si t'es en tir auto et le nombre de cartouches que t'as dedans. Ok, parfait, ouais, c'est bon. Ok, go. Bon, bah continue. Ah, en face! Qu'est-ce qu'on a? Ah Des oui. une patrouille. Oh, on va les faire, on va les faire, on va les faire pour rigoler. Allez, On les vas-y. laisse passer, on les attaque dans le dos. Allez, vas-y. Viens dans le garage. J'arrive, j'arrive, j'arrive. On Pas de les bruit, chef. nique. Fais pas de bruit, chef. Tu vas voir, ça va être bon ça. Tu peux les suivre de près hein, quand t'es de dos. Ah ouais? Ouais, tu peux arriver à 10-15 mètres derrière eux. Si tu veux, Accroupi, hein, tranquille. on se fait. Moi, je fais. On se fait. Je fais celui de gauche, tu fais celui de droite, si tu veux. Ouais, mais ils sont trois. Ah merde. Eh ben, on laissera Non, mais celui du milieu. ça va aller, ça va aller. Oh, ça court derrière, fais gaffe, derrière. Prends l'arrière, je prends l'avant. Tu connais mes préférences déjà? Imprudence. Je pense qu'ils nous ont vus, ils ont pas pu nous voir. Bon, ils sont un peu cons. Tu sais, des fois, t'es dans un bâtiment, ils s'avancent pas. Hein. Ok, j'entends que Oh, ça ils sont là, marche. ils sont en face, en 165. Ok. Si, ils me voient, mais ils me voient pas trop. Ouais, c'est bon, ils se barrent. Oh, ils se barrent pas du tout. Ok, il y a un mort. J'ai loupé le deuxième. Il est mort. On a tué un. Là. Il reste. Mort. Ok, GG. Encore, il y a encore un. Oh. Ouais. Non, c'est une autre patrouille, ça. Là. Oh non, il est là. Je fais le tour. Vas-y, vas-y. Merde, j'ai plus de balles. Il est mort. Putain, mais C'est le bon. couteau, ça déchire, hein. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a, lui, un bonnet? Il a un bison, tiens, si tu veux. Ah, ça peut être pas mal, hein. Vas-y, sers-toi. Il y a un scorpion, là, si tu veux aussi. Ouais, j'ai un scorpion, mais. Alors, quand tu vois, par exemple, tu regarderas lui son pantalon, il a une petite étoile jaune en haut à gauche, c'est qu'il y a quelque chose dans la poche. Hein. Ok, d'accord. Donc tu cliques dessus, et puis. Là, moi, j'ai mis. Par Hop. contre, lui, il a un 12, je vais prendre le 12. Ok, donc là, pour mettre le pantalon, je fais ça comme ça, ça comme ça. Ok, je peux récupérer les vêtements comme ça. Ok. Voilà, on va mettre une petite cagoule. Voilà, on va faire du rags. On commence à être beau gosse, hein? Ouais, tranquille. C'est quoi ça? Ok. Alors, je sais pas si on peut encore le faire, mais on pouvait détruire les armes. Lui, il a un 12 aussi. Contre, ok, la petite barre en bas, ça veut dire durabilité, ok, c'est pas forcément Ouais, des c'est son. balles. Ouais, Ok, c'est son d'accord. usure. Fais voir le. Est-ce que je peux le détruire? Et ça, c'est Non, le je peux nombre le de balles. décharger. Quand tu cliques droit sur une arme, tu peux la décharger. Ok. Et tu récupères les balles. Mais on peut plus détruire les balles. Est-ce que tu t'es fait un stock de rags? J'en ai 4. Vas-y, hésite pas. Hein. Ah Ah, ouais? attends, lui, il a un 12 mieux. Je vais le prendre. C'est quoi ça? Un IZH 43, ok. Est-ce que tu veux un 12? Les 12, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est T'as bon, quoi? j'ai un T'as le petit. scorpion? Non, j'ai Ouais. pris le petit IZH. D'accord. Et le petit calibre scié. Alors, j'ai beaucoup de rags. Parfait, et j'ai des balles dessus. C'est parfait. Ok, j'ai de la bouffe. Je vais. T'as de la bouffe, toi? J'ai pas trop de bouffe, non. T'as faim? T'es à combien? Je suis à 75. Ah, bah moi je suis à 34, je vais manger alors. Mange, mange, ouais, mange. J'ai juste une canette en fait, moi, sur moi. Ouais, C'est je pas vais mal, me hein. cacher. Ouais, c'est Pas mal du marrant. tout, là. Le jeu me plaît. Ouais, non, non, puis attends, là pour le moment on a fait juste des patrouilles quoi. Après, c'est un jeu où tu t'ennuies pas parce qu'il y a tout le temps des PNJ ou il y a tout Bah le temps des ouais. conneries comme ça. Mais c'est un peu l'avantage-inconvénient aussi, c'est qu'en fait, très vite, ce jeu ça devient un jeu de mission. Ouais, c'est plus un jeu de survie Non, non. en tant que tel, quoi. Alors c'est très bien qu'il y ait des missions parce que ça te donne quand t'es tout seul, tu t'emmerdes, tu fais des missions. Ou même, tu sais, quand t'es en train de looter, tu tombes sur des PNJ qui te tirent dessus et tout, ça change. Ouais. Mais c'est vrai que le problème, c'est que la grosse partie du gameplay, c'est de faire des missions. Ok, d'accord. Après, quand tu t'amuses à faire les missions épiques et tout, ça occupe, hein. Oui, c'est sûr, mais après, t'as moins le côté survie de Days. C'est là que tu Voilà. vois la différence entre les deux jeux, en fait, Tiens, au bah regarde, final. on a une mission tir 1, on va aller la faire. Allez, Juste vas-y. en dessous de nous, là. À Tchernilog, là-bas, à l'espèce de grosse scierie. Espèce de grosse En scierie. Ok, on est ici. 195. Ouais, je l'ai vu à 290 mètres. Ok. Alors celle-là, par contre, c'est très chiant de s'en approcher. Bon, ça va, là, c'est des brigands. Ok. Ce qu'on peut faire le mieux, c'est contourner par le sud-ouest, là-haut, et arriver de l'autre côté. Parce qu'il y a des garages, on peut se cacher dans les garages, et eux, ils vont venir, on peut les tuer. Une tire 1, normalement à deux, on n'a même pas besoin Ouais, ça le d'armes. fait. Ouais, après, on va se faire déglinguer, bien sûr, parce qu'on fait les malins, mais bon. Oui, Non, mais mais tu verras, bon. les tire 1, c'est des brigands qui ont des scorpions, des 12. Des fois un Mosin, bon, ok. Ok. Par contre, après, tout ce qui est melee, les mecs, ils tournent à l'arme auto. Donc, si t'es pas collé à eux pour les tuer, c'est mort. Hein, au couteau, je parle. D'accord. Les mecs, ils te mettent deux rafales, ils tirent bien. Toi, t'es décédé, puis merci, au revoir. Oui, donc à la rigueur, il vaut mieux avoir du Mosin, de l'arme qui tire Ouais, un peu voilà. mieux, quoi. Avec des bons viseurs. Ok, t'as les viseurs aussi. Oui, bien sûr. Ouais. T'as les viseurs, t'as des grenades, t'as toutes sortes de saloperies.
Bon, là, dès qu'ils vont nous voir, ils vont commencer de tirer sur nous, mais normalement. Tu vois, là, les bâtiments complètement à droite, c'est les garages. Ouais. On va essayer d'arriver derrière les garages. Ok. Et puis après, t'as trois gros bâtiments, là, vides. Et puis t'as l'espèce de cabane un peu en hauteur aussi. Des fois, quand c'est des tirs 2 ou des tirs 3, ils se mettent dedans. Ok, ils se planquent et ils te mettent. C'est casse-couille d'aller les sortir, ouais. D'accord. Et là, normalement, on peut se prendre des tirs dans le dos. Là, fais gaffe, t'as les mecs, hein, sur la gauche. Ah ouais, ah oui, j'avais pas vu. Ouais, mais ça va, ils tirent de loin, tu zigzagues un peu, puis ça passe. Ils ont des armes à deux balles. C'est des petits sporteurs, ça, c'est sûr. Je sens. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est quoi? C'est qu'on aille dans un garage. Allez, c'est ouais. À droite aussi. Allez, viens, on rentre dans un garage. Oh là oui, courons vitement. Et oula. Rentre. Vas-y, rentre. Oh là, voilà. Et là, on les attend. Bon, bah là, ils vont venir les uns après les autres. Hein. Ok, donc on va sortir le pompe alors. Oui, ça arrive. Ça arrive le premier, je te le laisse, vas-y. Allez, je le prends en latéral. Voilà, le deuxième va arriver, sinon on va l'aider. Ouh, je prie une balle. Ils sont en face, fais gaffe. Oh. Ok. Ouf. Eh, ça fait pas rire les mouettes, hein. Attention. Ok. Je recharge. Y'en a un. GG, deuxième. Ouais, le 12, c'est imparable. Waouh. Ça arrive. Les autres, il va falloir aller les chercher. Hein, de ouais, mais façon. On va aller les chercher. Il y a des mosines au sol, de manière. Okay, y a tant un mec qu'on n'aura pas. Super loin, là. Ouais. Oula. Je vais jeter mon scorpion. J'en ai pas besoin. Il m'énerve. Ok, j'ai plus de balles. Et je vais prendre la mosine. Tu sais, j'ai des balles. Oh là, fais gaffe. Merde. Marteau, toi ou quoi, là? Ouh. Oh. Si, si t'as pris des dégâts, moi en santé je suis à 28, n'hésite pas à se soigner. Vas-y, je suis à 72 moi en santé. Bon bah attends, je vais me soigner moi. Soigne-toi, ouais. Peur. Si ça arrive par la porte. C'est laquelle? C'est 4, vas-y. Je me soigne, je mets des rags parce que... Ah, c'est les rags qui te font monter en... Ouais, tu tiens la touche gauche appuyée et ça te fait remonter tes soins. Ok, d'accord. Par contre, le rags c'est pas beaucoup, hein. Les rags tout neufs là, je sais même pas si c'est 5. Hein. Ah oui, donc t'en faut un paquet. Ouais. Après, si t'as les désinfectés... c'est plus et c'est plus rapide. D'accord. Et après, quand t'as les vrais pansements, c'est mieux. Et après, t'as les seringues, les grosses seringues qui là te remontent à max quoi. Ok. Ils nous attendent en face, hein. Je te le dis. Ils nous attendent. Bon, attends, on va piller. Tu peux piller les. Oh putain. Ouais, il y a un mosine. Attends, je vais le prendre celui-là parce récupère, que l'autre il est moche. Récupère. Hop. Quand il y a une petite étoile sur ton arme, c'est qu'elle a une amélioration. Ok. Il y a un mec qui marche, normal. C'est normal. Ils nous ont oublié ou quoi? Bah, il marche. Ok. Ouais, il est... Non, il tire. Ok, j'ai rien. Oui, il est. Juste sur la droite. Oh là. Oui. Tu le vois? Une vise. T'as la décale hein, aussi. Hein. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est juste que j'ai plus de balles en fait. Ah, mais t'as plus de balles? Ouais, j'ai plus de balles. Bah, essaye de venir looter les cadavres. Je surveille de loin. Ok, il y a le mosine. Est-ce qu'il y a des balles? Oui, 4 sur 5. Vas-y, je récupère. Sinon, tu cliques sur le mosine, tu fais décharger. Ah oui, bien vu. Ouais, t'as 4 balles, prends-les. Bien vu. Bien vu, c'est quand même un... En fait, comme c'est simplifié, on n'a pas l'habitude. Oui, c'est vrai. Et non, mais parce qu'on prend... Des fois, on prend aussi des sales... Fait du rags, hein, à tour de bras avec leurs vêtements. Hein. Ok. Même les bonnets, tu peux les déchirer. Ok, alors attends, on va les prendre. Je vais les mettre à l'intérieur, ça sera plus safe. Tac. Je passe dans l'autre gars. Alors, le problème des missions, c'est que si tu traînes très longtemps, la mission, elle peut disparaître. Bah, normalement, quand tu as commencé de les engager, la mission, elle disparaît plus. Okay. Mais si par exemple tu meurs et que tu t'en vas et que tu spawns un peu loin et que ça fait trop longtemps que la mission est active, elle peut disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tué les mecs pour rien, quoi. Quand on les aura tous tués, il y a une petite caisse verte qui va apparaître. Et c'est le loot. Et c'est là que généralement les snipers viennent, te tuent et te prennent la caisse. Allez, on va dans le garage en face, là. Vas-y, ça sonne. Ouais, parce qu'il y en a encore. Ils peuvent être à peu près partout, là. Ils se cachent, hein, les derniers, c'est des fourbes. Ok, on va faire des économies de balles. Tu vois, c'est une caisse qui ressemble à ça, mais elle est surlignée en vert. Ok, d'accord. Et celle-là, elle est verrouillée. Tu peux avoir des petits. Tu peux avoir des clés. Surprises. Ok. Tu peux avoir des petites clés pour les ouvrir, celle-là, des fois. Bon, pas dans celui-là, déjà. Là, t'as une petite cachette à gauche. Qui est pratique. Okay. Tu te caches dedans quand ils viennent. Bon, là, ils peuvent être dans le secteur. Je vais attendre que ma santé remonte un peu. Je vais me remettre un rags. Hein.
Vas-y. Je suis à 60. Essaye d'être à 100 hein, si tu peux. Ouais, ok. Ouais, parce que tu prends vite beaucoup de dégâts, quoi. Après, c'est dommage de mourir. Bon, on est en début d'aventure. Ouais, mais bon. Oh, bah, après, l'avantage pour le moment, c'est que tu peux respawn juste à côté. Pourquoi après, du coup, les spawns, ça disparaît. Après, les spawns, ça sera sur la côte. Sauf si tu poses un sac de couchage. Parce qu'avec un certain nombre de rags, tu peux fabriquer un sac de couchage. Et là, d'accord, tu le poses et ça te fait un point de spawn. Et je crois, si je dis pas de conneries, que tu peux en avoir 3 sur la map. Donc, on va faire ça plus tard. Pas mal du tout, ça, oh. Oui, très utile. Bon, allez, on y retourne. Allez, go. Et cette petite pause... Oh, je vais reprendre le 12. Vas-y, j'ai pris le 12 canoncier. Bon, ils vont être dans le secteur. Allez, on va dans l'autre garage. Allez, go. Tu me dis si ça crépite. Hein. T'inquiète. Là, ça va. Si t'as besoin d'un casque... Oh, attention, en face. J'arrive. Il est mort. Il y en avait qu'un seul. Si t'as besoin d'un casque, il y a un casque. Attends, il est où? Ah oui, ok, casque jaune. Ouais. Après, normalement, hein, si je dis pas de conneries, tous les casques du jeu, ils te protègent d'une tête. Hein. Ah ouais? Il me semble. Excellent. Tiens, il y a un bison si t'as besoin. Ouais, mais je crois que je vais prendre le bison. Je vais tèche mon... rags? Je vais tèche mon pompe. Ouais, j'ai pas trop mal de rags. Je vais... Combien t'en as? Déchirer un chiffon, t'inquiète. Vas-y, prends le max de rags. Ouais, que t'as tu raison peux... au final. On va se faire. Oh, regarde en face là-bas, en 165. Attends, j'arrive. Deux secondes. Je change juste. Ouais. L'inventaire est. Compliqué à gérer. Ouais, c'est une petite habitude. J'ai trouvé des clubs, je m'en fous, je les jette, c'est des trucs qui servent juste à vendre. Je peux pas tège. Okay, ouais, il faut que tu le mettes en dehors de ta zone d'inventaire pour le jeter. Ok, bon, c'est pas grave. Ou alors tu cliques dessus. Regarde en 165 le mur, tu vois la petite caisse qui est surlignée. 165, ok. Ouais. Ça va, bah, ouais. C'est là-bas qu'il faut aller. Ok. Ça veut dire qu'ils sont tous morts. Ah, d'accord, mais... t'es le dernier? Voilà, mais c'est maintenant, tiens encore un joli casque, c'est maintenant qu'arrivent les... Oh attention, il y en a un encore là, qu'est-ce qu'il fout là lui? Deux. Ah c'est une patrouille, c'est pas grave, on va les dégommer. Tu me dis, quand tu tires sur le premier, t'as vu? Oh, il y en a un qui m'a vu, non il m'a pas vu. Ils sont un peu nazes. Ah c'est des brigands, ils sont pas bien. Oh il m'a vu, moi. Oh putain, moi aussi il m'a vu. Mais what? Pourquoi il prend pas la balle? Il est mort. Il a un 12 qui me plaît bien. Et le deuxième, il est où? Mort à côté. Putain, mais tu les as eu au couteau. Oui, le dernier. J'aime bien les faire au couteau. Ça ouais, je vois bien. Ça. Ah, c'est une habitude, hein, tu te colles à eux, puis ça va. Quand c'est des brigands. Hein. Ouais, quand c'est des brigands, il me con. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bah tiens, viens voir, serre-toi. Tiens, si, ce que je vais faire, moi, juste, je vais changer mon 12. Allez, j'arrive. Je vais prendre un 12 en bon état. Prends ceux dont t'as besoin. Tu vois, il ah ouais, y a des médocs analgésiques. Voilà. Plaque d'identité. On se prend un soda chacun. Prends le gilet pare-balles. Ok. Voilà, prends le reste. Pense kit que tu de peux. Réparation d'armes. Oh, la fumée, on va la prendre, on va l'acheter pour rigoler. Il y a des balles de 762, on s'en tape. Il y a de la thune. Ouais, vas-y, on l'embarque. Vas-y, prends-la, il y a 4000. Prends le soda. Ouais. Les plaques d'identification, ça permet de. En fait, il y a un système de voyage rapide entre les deux traders. Ok. Il y a une navette. En fait, il faut avoir beaucoup de plaques d'ident. Et quand t'as beaucoup de plaques d'identification, bah ma foi... Okay. Le 9-18, je vais le prendre, parce que ça me sert pour le IZH. Ouais, vas-y, ouais. Okay. Après, les plaques d'identité, ouais, je m'en sers pas beaucoup, moi, franchement. Ah ouais, vu que la place est un peu chère, je les laisse. Par contre, moi, je vais te récupérer ton... Alors, tu vois, c'est ça que j'ai pas compris. Comment je fais pour vider... Ok, c'est bon, ça y est. Okay. Ouais. Ok, c'est bon. Parfait. Je vais regarder, par contre, craft, sac de couchage. Il faut 10... Je vais me crafter un sac de couchage tout de suite. Voilà. Donc tu penses bien le récupérer par terre, hein. T'hésites pas. Tu le mets dans une touche de raccourci et si on monte faire les brigands là-haut, enfin les mili là-haut, on va poser le sac de couchage pas loin. Et un sac de couchage pour deux, ça passe? Non, un sac chacun. Alors attends, combien tu me dis qu'il en faut? Il en faut 10. Tu vas dans craft. Tiens, bah, mets-toi à l'abri. Est-ce que j'en ai 10, attends? Mets-toi à l'abri, on sait jamais. J'en ai 9. Y a un petit malveillant qui arrive. J'en ai 9. Ah bah attends, tiens. Tu m'en rendras le reste. Je te rendrai. Attends. On peut diviser hein, les stacks, mais je me souviens plus comment on fait. Je préfère, je te fous tout par terre. Bah merde, ok. Les kits de réparation, t'as un Mosin? Oui. Le kit de réparation, tu le prends, tu le glisses sur ton Mosin. Normalement, ça devrait le réparer un petit peu. Effectivement. Ça l'a même totalement réparé. Alors ça, c'est des kits de réparation craftables. Mais sinon, il existe un truc, c'est que... Alors je sais pas, ça a peut-être changé, mais dans ta base, tu peux fabriquer un atelier. Ouais. Et l'atelier, ça te permet soit de mettre des skins sur des habits, soit de réparer tes armes.
Ok, d'accord. Moyennant certains matériaux. Et normalement, tu as la même chose chez le trader, mais c'est payant. Il faut lui donner de la thune pour réparer tes armes. Et quand tu vends des armes, il faut qu'elles soient en bon état. Le mieux, c'est de les réparer avant. Ok. Sac de couchage créé, mon poulet. Eh ben, tu le mets, mets-le dans une touche de raccourci c'est en fait. Bas. Et puis, ok. Effectivement, allez, go, c'est vraiment plus simpliste. Mais du coup, ouais. Ça vibre, ça grésille, ça grésille. Ah bon? Il n'y a pas de zabi, lui? Si ça grésille, c'est qu'il y a encore une patrouille. Oh, se tire putain dessus. Ouais, ça tire derrière nous. Oui, on va là. Les attendre. On va les attendre. Nord-ouest. Nord-ouest direct. Prends un côté, je prends l'autre, on va les attendre. Vas-y. Recharge bientôt. Prends peut-être le 12 s'ils arrivent de près. Ouais, pas bête du tout. Parce qu'au pire, on peut les laisser. Alors, soit on la joue safe et on se met dans le garage. Oh, il est là. Attends, je l'attends. Vas-y. Prends l'autre côté au cas où s'il arrive de l'autre côté. Ouais, il arrive vers moi. Voilà, tu fais une petite décale, tu le butes. J'attends qu'il approche, j'ai le 12. Il va venir. Oh putain! Deux morts. Eh hey, mais oh, ils sont déchaînés aujourd'hui là, qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas, ils sont énervés là. Ouais, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est toi, ça, c'est pas sûr. Il y en a plus là, c'est fini? Non, c'est fini, ouais. Bon bah pareil, hein, durax, des balles. C'est vrai qu'il faut penser à regarder le sol. Ouais, ah ouais, tout le temps, ouais. En plus, faut pas hésiter à les looter parce que des fois ils ont de la bouffe. J'ai un peu de mal avec le système de shoot là pour le moment, j'ai un peu de mal. Ouais. Ouais. Lui, cette arme là, je sais pas ce qu'elle a, ça se trouve, elle a une. Tu vois, elle a une étoile. Ah oui. Elle a peut-être une lampe dessus. Ok. Je peux la démonter. Tu veux la prendre. Non, tu prends la main puis t'enlèves la lampe, ouais. Okay. T'enlèves la lampe, tu la mets sur ton 12 par exemple. Je crois que c'est la touche L. La nuit, quand tu lootes les bâtiments, c'est quand même pratique d'avoir la lampe hein, parce que la nuit elle est noire, hein, vraiment. Ok, donc ça je peux l'enlever, je le mets dans mon sac à dos. Ok, d'accord. En fait, t'as l'endroit où tu poses au sol. Et ouais, ouais. L'inventaire des mecs. Et ouais, en fait, c'est ça. C'est ça que je me trompe à chaque fois. Je décharge et je récupère. Ok, c'est bon, parfait. Ouais. Je commence à avoir le. Est-ce qu'on a un peu la dalle? Je suis à 85. Est-ce qu'on irait pas chasser du canard d'eau? Allez, viens, on va se faire les milliers. Ou alors on va voir les milliers et on fait le canard après. Mais je crois que par là-bas, il y a du canard. Ça, c'est une base, hein, en fait, là-bas. En face, là? Ouais. C'est une base de joueurs? Oui. Ok. Ouais, les mecs, ils essayent de se mettre le plus près possible d'ici parce que là, il y a souvent de la grosse mission. Dans ce POI là. D'accord. Et donc là, à tout moment, il peut y avoir un mec qui sort de sa base, c'est ça? Ouais, qui nous tire. Ok. Ils sont capables. Ça m'intéresse. Alors sur le bord de la flotte, il y a des trucs intéressants. Il y a des bateaux. Ok. Déjà. Il y a des bateaux. Quoi? Sur Deadside, des bateaux. Alors sur Day, ça va arriver que maintenant. Incroyable. Bah ouais. Il y a des bateaux mini là, des espèces d'hydroglisseurs, ou alors il y a des petits gonflables. D'accord. Tu vois les roseaux là-bas? C'est là-dedans qu'il y a les canards. Mais moi je veux voir un canard. Je ah pars, ouais, je pars pas non, tant que j'ai pas vu de canard. Je m'en fous. Je veux voir le canard. Moi. Là c'est une base aussi, là en 210. D'accord. Petite basette. Alors attention, je vais essayer de faire décoller les canards, toi tu le tues. Mais non. Écoute. Il me semblait avoir écouté un bateau qui passait. Il y a la rivière là-bas. Il y a les grenouilles. Ouais, c'est les grenouilles. Reste un peu au-dessus si tu peux, parce que moi j'ai pas de vision en bas. Je vais essayer de le faire décoller si personne n'est passé. Oh, il y a des canards, arrêtez vos conneries les gars, il y a tout le temps des canards dans les roseaux. Là wouah. Il y en a un autre là-bas. Deux. GG. Oh oui. Vas-y, on les rattrape. On peut aller dans l'eau? Prends le canard, ouais. Bien sûr. Tu fais bon pour aller dans l'eau? Bah tu nages. Ah oui, ok, ah oui, ils sont à la surface, ok. Ouais, ils sont à la surface. Bon, on a deux canards. C'est, bon, c'est pas fini. Attends, je recharge. Allez, pareil. Par contre, quand tu sors de l'eau, ça range ton arme hein, tout le temps. Ah oui. Ok, on va continuer, hein, on sait jamais. Deux allez, canards, vas-y. C'est pas souvent qu'il y a deux canards. Bon, on est deux. Ouais, c'est normal. Par contre, là, on va être sur le bord de la rivière. Il y a un petit camp à droite, là. Il peut y avoir des fois des brigands dedans. J'ai pas eu de grésillement, hein. Ah, bah c'est bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, il y a un bateau. Vas-y, ah oui, viens. Du bateau. J'ai vu. Allez, on y va. Les canards. Attends, les canards. Faut les faire cuire, les canards, ou... Ouais, faut les découper, les faire cuire. Ah, il y a le même système que sur Days. Ouais, mais plus simple, hein. Ah, on va faire un petit feu, c'est rapido, et puis tu cuis, ça brûle ou ça brûle pas. Oh, y a plus de canards là. Là, le truc pour faire des canards, en fait, c'est de les faire en bateau. Tu longes la rivière avec un mec qui est prêt à tirer et un mec qui pilote, et là, tu rigoles. Là, du canard, tu peux en faire. Sans pitié. Ah, vous faites de la terrine de canard, mon lapin. Tu vas voir ça, les magrets. Putain. Je vais regarder si le bateau il est fonctionnel. Alors les bateaux ils se détruisent, hein, faut faire gaffe. Hein. Quand ils se détruisent, ils explosent.
Ok. Non, c'est bon, il est fonctionnel. Entrée. Ok. Prends ton arme. C'est fait, mon canard. Ouais. Alors attends, on va essayer d'aller chasser le canard. Où est-ce qu'on va aller? Attends, faut qu'on fixe une destination aussi, nous on est malin là. Oui, c'est vrai, on est là, on s'amuse. Peut aller, tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller finir l'épisode au trader. Allez, vas-y. Et puis on en relancera un autre vite fait, tranquille. Yes. Alors le trader, c'est où là? Si je dis pas de conneries, faut que je prenne à gauche. Ah, attends, fais voir, je te dis ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Alors tu te tiens pas à tirer sur tous les. Alors après, ce que tu peux faire, je crois, tu peux te mettre debout. Et essaye, je suis pas sûr. Mm-hmm. Voilà. Parce que pour tirer sur les canards, ça ira mieux. Ouais. Je pensais que j'étais obligé de rentrer dans le véhicule. Non, je peux être juste bien posé sûr, dessus. On peut, bien sûr, on peut se faire tirer dessus de la route. Oui. Le classico. Waouh. Wow. Ah, tu t'es pris le pont, je crois, non? Ouais. C'est ça. C'est ça. Hey, mais c'est ça, ça va pas la tête ou quoi? Ça fait super mal. N'aie pas peur. En fait, ouais, c'est ça. Si je suis debout. Ouais, ouais, ça arrive pas souvent, mais bon. Après, tu peux te mettre debout et accroupir. Non, regarde, ah, tu vois. Ouais, je non, vois. D'accord, ouais. Ça dépend des fois, ouais. Je suis obligé de me mettre dans le bateau, en fait. Bon, bah, ma foi. Alors, ça sera pas pratique pour tirer sur les canards derrière, mais bon. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, on en a d'autres canards, on est pas mal. Je peux tirer, regarde. Hein. C'est pas mal, ouais, j'ai, ouais, j'ai ouais. Une bonne. J'ai un bon champ de tir. Bon, bah, si ça grésille, c'est qu'il y aura des. Des mecs pas loin. Une patrouille. Oui, il peut y avoir des joueurs. Bah non, les joueurs, ça va pas grésiller. C'est... Alors, le seul truc, c'est que les bords de rivière sont pas très beaux. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Non, c'est ça pas grésille. Terrible, terrible, là. Ça grésille. Ah, il y a du monde. Sur la droite, il y a une route. Ouais, on est loin, ça craint rien. Ah, c'est pas mal. Alors, pas en, face, en face, le gros bâtiment là-bas, c'est Pôle emploi, on l'appelle comme ça. Polo. Ça ressemble c'est à Pôle emploi soviétique. C'est Pôle soviétique, allez, vas-y. Et là-bas, il y a vraiment beaucoup de missions aussi. D'accord. C'est... Et c'est à côté du trader, donc c'est vraiment un mauvais endroit pour aller se promener. Ok. Donc c'est un endroit où on, aura... on ira certainement, c'est ça. Ouais, du coup. On peut, ouais. Et là, souvent, moi, je construis par ici. D'accord. T'es pas mal, t'es pas loin de la flotte. Alors, avec les bateaux, le truc qui est pas mal, c'est de faire une base à bateau. Ouais, c'est pas bête, hein. C'est une base semi-aquatique. Ouais, ouais. J'ai des frises. Mais j'ai des frises aussi, hein, je te rassure. Ouais, ouais. Bon, bah, plus on va approcher du trader, plus ça va être tendu. Attention, canard. Allez, vas-y. Je prépare mon pool. Voilà. Ah, putain. Ah. Ça va trop vite. Ouais, on peut pas se tourner, c'est ça qui est chiant sur le bateau. Bon, après, on a deux canards, on est pas mal. Je suis à 81, donc... Ah ouais, mais toi, t'as pas baissé, moi, je suis à 36. Donc. Ah ouais, t'es super bas. T'as bouffé ta canette de... Non, pas encore. Et puis, je sais même pas pourquoi j'attends. Non, mais j'en ai trouvé une. Mais dans tous les jeux, je suis comme un con, j'attends avec de la bouffe sur moi, des mecs me tuent, ils mangent ma bouffe. Après, c'est le... Moi, c'est l'habitude de jouer en officiel sur DICE. Tant que j'ai de la bouffe, je merde, bouffe. Attends, vite, faut que je sorte. Faut pousser le bateau. Je me suis échoué. Merde. Vas-y, conduis. Tu veux que je conduise? Allez, vas-y. Ouais, tu passes derrière. Comment tu fais pour conduire? Appuie sur R, je crois, ou... Oh merde! Comment je fais? Comment je fais? Ah! Sors vite! C'est qui tire sur nous? C'est des joueurs, ça. Viens vers le pont. Oh, où il est, ce vilain? À gauche, sur la gauche. Merde. Dans notre bac. Regarde, au niveau de tous les véhicules, ils sont deux. Ouais, ça doit être Bah, ça peut être une patrouille, peut-être. Qui court en zigzag, c'est pas grave. Je sais pas, ils ont fait des gauche-droite. C'est pour ça que je te dis, c'est bizarre. Ouais, ouais. On va se cacher derrière le train. Si c'est des PNJ, ils vont venir nous voir. Ah, et après, on est à côté du trader, hein, c'est pour ça. Ouh, putain. Et tu crois qu'il y a du loot là-haut? Non. Enfin, si, mais des trucs à la con. Ok. Ah, où ils sont, ces vilains? Oh bah sinon après on peut courir au trailer, on est pas loin. Hein. Allez, vas-y, let's go. Allez là-bas vers les bâtiments. On va monter un peu par la forêt. Dès qu'on a passé les petits fanions rouges, là on est en safe. Ok. Ah, il faut juste pas se prendre une balle maintenant. Voilà, c'est bon, t'as le petit logo en bas à droite. Effectivement. Et là on est en safe, on peut plus faire de mal à personne, tout va bien. On va aller visiter le trade. Allez, vas-y, fais-moi visiter. J'aurais dû récupérer ma tronçonneuse, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça. Le trader du centre. Alors, les stockages que t'as dans le trader du centre et dans le trader du nord, c'est pas les mêmes. Ok. Ils communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que, voilà, si t'as une calache en haut et un mosine en bas, c'est mort. Puis voilà, quoi.
Des fois, t'as des murs avec des barbelés, là, tu sais, des grillages avec des barbelés. Ouais. Ça paraît haut, mais tu fais deux fois espace et t'arrives à grimper. Ok, d'accord. Ça passe. Ça, les gars, comment ça se passe là-dedans? Tu vois, bon, t'as tes petits trucs là, mais t'es pas obligé d'aller spécialement là. Quand tu vas dans l'inventaire, ça marche. D'accord. Quand tu vas nous parler. Tu ne parles pas aujourd'hui, toi. Si, donc, si, oui. Ah, bah voilà. Alors, il vend des trucs, mais hors de prix. Hein. Là, il y a un mec mort. Mais what? Il y a tout le temps des mecs morts. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs, ils se suicident et ils vont faire les hélicos. D'accord. T'es les largages. Ah oui, ok, c'est le prix, ça? Munitions. Alors, ton stockage, tu l'as à gauche. Donc, tout ce que tu veux garder, tu peux le mettre à gauche. Ok, d'accord. Et ça, en fait, peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, j'aurai toujours cet endroit-là de stockage. Ouais, bah non, ici, t'as. Voilà, ça, c'est le trader du centre. Et puis, t'en auras un autre stockage. Ouais, ouais. Voilà, d'accord. Mais pour venir chercher tes affaires, faudrait que tu viennes les chercher ici, quoi. D'accord, d'accord. Ok, mais c'est pas mal, mais, ça fait ouais. une petite sauvegarde, ouais, en fait. C'est ça, c'est une sauvegarde. Et quand t'as le supporter pack, c'est deux fois plus grand. D'accord. Donc, si jamais il est en solde, un de ces quatre, le supporter pack, hésite pas à le prendre, quoi. J'ai hésité, tu vois, je me suis dit, bon, ouais. Allez, ça... Alors, tu vois, ils vendent les canards, 500 balles, des conneries comme Moi, j'ai peut-être acheté... ils achètent les canards, mais achète-lui rien, c'est hors de prix, tu veux lui acheter quoi? C'est super cher, ouais. J'allais dire des balles de Mosin, mais non, c'est super cher. Non, on en trouvera, on en trouvera. Donc, si tu veux, normalement, si t'as de quoi faire un feu, tu peux faire un feu là-dedans, en sécurité. Ok. Attends, on va débiter les canards. Alors, tu fous ton canard par terre, tu prends ton couteau à la main et tu fais découper. Et tu découpes le canard d'eau. Bien vu, ça! Et on peut aussi aller à la pêche. Deux, découpé. Et tu penses bien à prendre... Le bec. Ouais, les plumes. Ce que t'as coupé. Tu penses bien à prendre ce que t'as coupé parce que... Bon, ça donne que deux cuisses de canard. Et le canard, c'est pas ce qui nourrit le plus, mais le chevreuil, ça nourrit carrément. Ah, c'est pas mal ça. On pourrait se faire une petite session pêche. C'est ça. On va ouvrir une chaîne, tu sais. Voilà. La chaîne chasse et pêche. Chasse et pêche, nickel. Oh, moi je vais mute, je vais faire la fin de cet épisode. Bah écoute, la même, hein. On va faire pareil. Bah ouais, 47 minutes, nickel, allez. Bah écoutez, survivant, je sais pas si je vais pas laisser l'épisode entier. Dans tous les cas, la petite découverte de Fred m'a fait plaisir. On va continuer bien entendu un petit peu de jouer ensemble. Et je verrai si je mettrai le second épisode ou pas. Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, cette année, on va faire un petit peu plus de découvertes. On va aller voir un petit peu les autres jeux qu'il y a dans le catalogue des jeux post-apocalyptiques. Allez, à plus, survivants.